À Odienné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le guichet emploi jeune ouvre ses portes. Une opportunité de plus à saisir pour la jeunesse du Kabadougou afin de s'insérer dans le tissu professionnel. Désiré Kofi, Godfrey Okambawa. L'initiative du gouvernement d'ouvrir des guichets emploi jeunes se poursuit. C'est la ville d'Odienné qui vient d'être dotée de son guichet par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Kone. Un guichet qui permettra une prise en charge efficace des jeunes demandeurs d'emploi. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ton expérience ou encore ton projet, tu peux directement venir au guichet emploi, ta préoccupation est prise en compte et tu es appelé. Le ministre de l'Économie et des Finances a donc invité les populations d'Odienné à fréquenter ces guichets emploi qui constituent un pan important du programme social du gouvernement. Le gouvernement, dans sa vision, c'est de faire en sorte que les conditions des populations s'améliorent, tant sur le plan des infrastructures que sur le plan donc de la recherche d'un emploi, et cette fois-ci d'un emploi décent. Il s'agit là donc d'une bonne opportunité que le gouvernement offre à la jeunesse de pouvoir donc s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Ce programme vise à doter 201 communes de Côte d'Ivoire d'un guichet emploi pour 500 000 jeunes qui seront formés en 2019 et 2020.